Webinar, partenariat entre DataCore et Monaco Digital. Aujourd'hui, on va parler du Software Defined Storage et notamment des performances dans votre infrastructure grâce au Software Defined Storage. Juste avant qu'on démarre, pour être sûr, donc je vais préférer revérifier parce qu'il y a eu des nouveaux arrivants depuis tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Vous pouvez lever la main ou répondre en sous forme de question. Dans votre petit outil. Ok, merci. Super. Merci bien. David, je te laisse peut-être démarrer. Oui, bon, bonjour à tous, je suis David Alcino, donc Monaco Digital. Comme disait Laurent, aujourd'hui c'est un petit webinaire sur la partie DataCore. Je vais vous faire une présentation de Monaco Digital pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Monaco Digital, c'est une ESN basée à Monaco. Donc on a trois agences, Monaco, Biot, Aix et Paris. Voilà, donc nos domaines d'expertise, on fait aussi bien de la cybersécurité, du cloud, de l'infrastructure, des réseaux. On a toute une partie infogérance. On s'occupe aussi de développement d'applications, de la transformation digitale et on a ce qu'on appelle le campus. C'est toute une zone d'apprentissage interactive. À aujourd'hui, Monaco Digital, c'est 200 collaborateurs à fin 2019 avec un chiffre d'affaires de 29 millions. Voilà, Laurent, tu peux passer à la deuxième slide. Voilà, donc moi je suis responsable de la partie infrastructure et stockage. Mon équipe se compose de 13 ingénieurs. Et sur la partie DataCore, donc on a notre certification Gold et nos ingés comment dire, ont le plus haut niveau d'expertise. Donc sur Monaco, j'ai 5 ingénieurs des CIE, un ingénieur des CIE sur Aix, 2 à Paris et 5 des CSA. Voilà, donc Monaco Digital pourra vous accompagner dans tout ce qui est projet d'infrastructure hyper convergé ou traditionnel. Et donc là, aujourd'hui, avec DataCore, on va vous présenter notre solution SDS. Voilà, dernière petite info, ben voilà, la fiche contact. Vous avez mes coordonnées et pour toute question ou interrogation, n'hésitez pas à prendre contact avec soit votre commercial attitré, soit un référent technique ou moi-même. Vous avez mes coordonnées. Voilà. Donc ben, bon webinaire à tous. Merci David. Donc sachez que ce webinaire est enregistré au cas où vous avez un impératif. Vous aurez également, on vous enverra la présentation PowerPoint par la suite. Donc je vais me présenter à mon tour avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc je m'appelle Laurent Ibar, je suis avant-vente chez DataCore depuis une dizaine d'années maintenant et responsable aussi également des avant-ventes sur l'Europe du Sud. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de DataCore et donc de la partie Software Defined Storage. Alors rapidement, hein, si on regarde un petit peu l'évolution du stockage ces 30 dernières années, il a drastiquement changé, hein. Donc fin des années 90, donc en 98 exactement, il y a notamment une société qui a été créée qui s'appelle VMware, que vous connaissez tous, qui a commencé à proposer de la virtualisation des serveurs. Donc, pour bénéficier de tous les avantages de la virtualisation des serveurs, à partir du moment où on met un cluster en place, on a tendance à retirer les disques des serveurs pour travailler sur un stockage partagé, le NAS et le SAN. Et beaucoup de projets de virtualisation, sont allés au mur. Les gens se sont précipités dans la virtualisation des serveurs sans forcément se poser les bonnes questions, au niveau du stockage. Et on s'est vite rendu compte que le stockage était devenu la colonne vertébrale dans l'infrastructure. Et si ce stockage n'était pas performant, toutes les applications qui étaient au-dessus, étaient impactées. Parce que c'est vrai que finalement, avant la virtualisation, avant VMware, quand on avait besoin de déployer une nouvelle application, eh bien, on mettait un nouveau serveur dans une salle machine.
Et dans ce serveur, on avait un minimum de deux disques en RAID 1 pour héberger la partie OS. Et puis, on rajoutait une carte contrôleur avec du RAID dédié, du RAID 5, du RAID 10 pour la partie données des applications. Et finalement, chaque application avait son propre serveur, son propre stockage. Et quand on a consolidé tout ça pour mettre de la virtualisation VMware, puis Hyper-V qui arrive par la suite, Xen Server, etc. On a réduit le nombre de serveurs, ce qui a réduit d'une part l'empreinte énergétique, mais on a aussi retiré donc les disques de tous ces serveurs. On en avait des batteries, on avait des centaines de disques dans les salles machines, pour mettre tout ça sur des disques beaucoup plus capacitifs, sur du SAN ou du NAS, donc du stockage partagé. Donc moins d'axes, moins de bras de disques, et puis surtout sur les mêmes RAID de la baie de stockage. Cette fois-ci, on hébergeait à la fois les systèmes d'exploitation des machines virtuelles, mais également les données. Donc, on avait pas mal de goulets d'étranglement. Donc, en 98, il y a également une autre société qui a été créée, qui s'appelle Datacore. Donc, les deux sociétés ont été créées la même année. Une société que vous connaissez très bien, qui s'appelle VMware pour virtualiser donc les serveurs. Et puis, Datacore, nous, on s'est focalisé sur le stockage. Donc, pour, d'une part, répondre aux problématiques de performance, mais aussi de haute disponibilité, puisque quand on consolide son stockage et qu'on met tout au même endroit sur une baie de stockage, ben en fait, ça devient un goulet d'étranglement, mais aussi un point de failure. Si ce stockage tombe en panne, toutes les applications qui sont dessus vont être impactées. Donc, ça fait maintenant 20 ans, enfin un peu plus de 20 ans, qu'on propose de la virtualisation de SAN pour apporter de la performance, de la disponibilité, de la flexibilité, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a tout un tas de solutions qui sont proposées sur le marché. On parle d'hyperconvergence, de NAS, de full flash, d'hybride, de cloud, de SAN, de server storage. On a tendance à remettre des disques dans les serveurs parce qu'on se rend compte que c'est performant. Notamment, on peut bénéficier aussi des dernières technologies NVMe. Donc vous avez tout un tas de solutions qui vous sont proposées, mais c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Il n'y a pas forcément une solution qui va répondre à toutes vos problématiques. Beaucoup trop de périphériques qui ne sont pas forcément compatibles les uns avec les autres. Et pour chaque nouveau périphérique qui est implémenté dans votre environnement, dans votre infrastructure, nécessite un logiciel pour l'administrer. Il n'y a pas forcément une gestion unifiée de toutes ces solutions qui sont proposées. Donc les enjeux, pour les résumer, aujourd'hui, on a besoin de performance au stockage, de haute disponibilité. On a également besoin que mon stockage soit simple et flexible, que je puisse le faire évoluer au fil des années, tout en réduisant aussi les coûts, parce qu'on a besoin, on nous demande toujours d'en faire plus avec moins. Donc c'est là que rentre DataCore Centre Symfony, Software Defined Storage. Donc, rapidement, hein, pour résumer le Software Defined Storage, alors c'est pas une définition DataCore, c'est une définition qu'on peut retrouver sur le site SNIA. Qui définit un petit peu toutes les règles de stockage. Donc, le Software Defined Storage, c'est quoi? Tout d'abord, c'est un logiciel qui doit être capable de faire plusieurs choses, notamment de pouvoir faire communiquer différents périphériques de stockage entre eux, les systèmes de stockage que vous avez aujourd'hui ou que vous aurez demain, pouvoir dissocier également les évolutions matérielles du logiciel, à l'inverse d'une baie de stockage où tout est embarqué à l'intérieur, et puis quand votre baie de stockage HP, Dell, EMC, NetApp arrive en fin de support au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, bien souvent cette baie de stockage-là, on préfère la remplacer parce que le coût de renouvellement est trop cher. Mais qui dit remplacer la baie de stockage me dit qu'il faut repayer tous les logiciels, toutes les fonctionnalités. Quand je jette une baie de stockage, je jette toutes les licences que j'avais payées pendant les 5 ans. Donc chaque fois qu'on change de matériel, on repaye le logiciel. Et c'est vraiment l'opposé du software defined storage. Justement, c'est l'idée, c'est d'investir dans un logiciel qui est complètement agnostique au matériel et qui me permet de pouvoir faire évoluer mon socle, tout mon matériel, la partie hardware finalement, sans avoir à remettre en question les investissements que j'ai pu faire au niveau logiciel pour administrer mon stockage. C'est également le Software Defined Storage, et là également pour mettre en commun toutes les ressources de stockage et puis les administrer de façon centralisée, mais c'est aussi faciliter la maintenance matérielle pour les migrations. Je veux migrer d'un système de stockage X vers Y, j'ai la possibilité de le faire en toute transparence sans impacter mes utilisateurs en pleine journée. Alors pour entrer plus en détail sur le concept de DataCore, donc
Quel que soit le stockage que vous avez aujourd'hui ou que vous aurez demain, la marque, le modèle, la technologie, on va rattacher ce stockage-là à des serveurs traditionnels. Alors, ces serveurs, ça peut être, pour en citer quelques-uns, ça peut être du DL380 chez HP, ça peut être du R740 chez Dell, ça peut être du SR650 chez Lenovo. Tous ces serveurs, en fait, ont les mêmes caractéristiques, on va dire, c'est du serveur 2U. Avec pas mal de bus PCI, donc je vais pouvoir installer évidemment la couche d'attaquant sur ces serveurs-là, mais aussi mettre des cartes réseau, des cartes Fibre Channel pour me connecter à du SAN existant éventuellement et présenter également les volumes à vos serveurs d'application, quels qu'ils soient. Que ce soit du Microsoft, du VMware, de l'Oracle, du Xen Server, du Red Hat, de l'AX, de l'HPX, du Solaris, quel que soit le système d'exploitation, DataCore va présenter la volumétrie, va se connecter en Fibre Channel en exclusive, donc en mode bloc, et présenter les volumes à vos applications, à vos serveurs d'application. Donc, DataCore se met sur le chemin de la donnée entre les hosts et le stockage physique, mais sur ces serveurs DataCore, comme c'est du serveur 2U, je peux également mettre des disques à l'intérieur. Je peux mettre, si je veux, du NVMe pour avoir du stockage performant qu'on mettra en classe de stockage 1, en tier 1, pour éventuellement donner un second souffle, à votre baie de stockage que vous possédez déjà. Je peux rajouter du NVMe. Je peux mettre également du disque. J'ai 24 emplacements de disque en 2 pouces et demi. Donc, je peux mettre pas mal de volumétrie aussi dans mon serveur DataCore. L'avantage, c'est que le disque dur dans un serveur est 3 fois moins cher que le disque dur sur une baie de stockage. Alors, une des raisons, c'est que le disque dur dans un serveur n'a pas la même intelligence qu'on va retrouver dans une baie de stockage. Donc, évidemment, les constructeurs ne mettent pas le même prix. Un disque dur 10 000 tours 2 Tera 4 dans une baie de stockage va coûter 3 fois plus cher qu'un disque dur 10 000 tours de 2 Tera 4 dans un serveur. Mais ce disque dur dans un serveur va prendre tout son sens si on rajoute la couche DataCore qui va lui apporter toutes les fonctionnalités. Et les fonctionnalités sont présentées ici. Donc, DataCore va proposer, quel que soit le stockage, puisqu'on est complètement agnostique, qu'on ait du disque dans un serveur DataCore ou du disque rattaché en Fibre Channel avec une BSAN ou un ASCSI ou du SATA ou voire du stockage dans le cloud, quel que soit le stockage en backend, on va apporter ce qu'on appelle les data services. Les data services, c'est donc toutes les fonctionnalités, tout le service qu'on va apporter sur du stockage traditionnel. Donc, on va avoir du miroir synchrone. On va avoir de la réplication asynchrone. Donc on va répondre en fait aux problématiques de PCA, de PRA, de performance avec de l'auto-tiering pour avoir différentes classes de stockage et déplacer la donnée de façon appropriée sur le meilleur emplacement. La donnée chaude, on le mettra sur le disque rapide. La donnée froide sur le disque lent. On a du cache aussi. Je vais vous présenter de la qualité de service, de la QoS, du Random Write Accelerator. Ça, c'est un algorithme qui est en mesure de convertir les écritures qui arrivent de façon random sur DataCore dans son cache, et on va les redescendre en séquentiel sur les disques. Donc, si on écrit en séquentiel, on va beaucoup plus vite que si on écrit en random. On a de la protection avec du Continuous Data Protection, de la dedupe, de la compression, du snapshot, de l'encryption si vous voulez encrypter. Parallèle I/O, j'y reviendrai également, c'est la façon dont on traite les I/O en parallèle pour les performances, du Sync Provisioning, du Load Balancing. On verra qu'on est actif-actif quand on fait du miroir. Il n'y a pas qu'un côté qui travaille, les deux côtés peuvent travailler, on fait de l'équilibrage de charge, donc on est plus performant. Et donc, ce stockage avec ces data services associés, comme je le disais tout à l'heure, vont être présentés en Fibre Channel ou en ASCSI, donc en mode bloc, aux consommateurs. Et les consommateurs, ben, c'est vos serveurs d'application, à nouveau VMware, Hyper-V, etc. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur la partie NFS SMB, puisqu'on a un produit spécifique pour ça. Non, pour la partie filer. Donc, la façon de déployer DataCore, on peut le faire de différentes façons. Donc, la façon traditionnelle, si on commence par la gauche, c'est de dire je vais poser des serveurs DataCore sur le chemin de la donnée entre mes hosts existants et mes baies de stockage SAN existantes. Je pose des contrôleurs DataCore pour apporter de la performance, de la haute disponibilité, un vrai PC actif-actif avec un RT ou RPO à zéro. Ça, c'est un premier pas dans le software defined storage. Beaucoup de nos clients qui ont commencé par la gauche, parce que l'avantage DataCore, c'est qu'on ne remet pas les investissements que vous avez pu avoir fait par le passé. C'est-à-dire, si vous avez déjà un environnement, on va le réutiliser. On n'arrive pas en disant il faut tout jeter et on part sur du matériel neuf. On peut récupérer votre environnement existant. Et
Par contre, quand cet environnement de stockage arrive en fin de support, dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, vos BSAM que vous possédiez déjà, il peut être légitime de se poser la question, est-ce que maintenant que j'ai du data core, je réinvestis dans une autre baie de stockage dont on sait que la durée de vie, voilà, est pas très, c'est pas très évolutif. Donc on peut se poser la question de se dire finalement, comme j'ai du data core, je pourrais remplir mon serveur de disques. Ça me coûtera moins cher. Aujourd'hui, les clients data core qui ont entre 1 téra utile et 300 téra utile n'achètent plus de baie de stockage. Ils prennent du disque, ils le mettent dans des serveurs. Je crois que même HP a du serveur maintenant 2U avec 48 disques en 2 pouces et demi. Mais il y a aussi pas mal de bus PCI, comme je l'ai expliqué. Et les bus PCI vont me servir aussi à pouvoir chaîner des tiroirs d'extension. Je mets des tiroirs 24 disques, full flash, des JBOD. Je peux mettre pas mal de volumétrie et monter très facilement, après protection RAID, à 300 téra. Sur des serveurs, ce qu'on appelle nous convergés. Donc, dans tous les schémas que vous voyez, j'ai un minimum de 2 serveurs data core, puisque on vend de la haute disponibilité, donc on met au moins 2 nœuds et donc on double la volumétrie pour mettre en place des mécanismes de miroir synchro. Mais on peut aller jusqu'à 64 nœuds dans un cluster ou dans un groupe data core. Donc, la partie convergée, c'est de dire, vous gardez vos serveurs d'application tels qu'ils sont. Et on va les connecter à DataCore, mais au lieu que les serveurs DataCore soient eux-mêmes connectés à des BSAN, on retire ça et on met du disque dans les serveurs. Un des gros avantages aussi, c'est la partie économie, puisque le stockage dans un serveur est beaucoup moins cher, comme je disais tout à l'heure, mais c'est aussi la maintenance, le support annuel d'un serveur rempli de disques, c'est beaucoup moins cher que maintenir, que payer le support sur une baie de stockage. Ensuite, on peut également faire de l'hyperconvergence. Sur mes serveurs data core, eh bien, si je mets un peu plus de processeurs et de RAM, rien ne m'empêche de faire tourner du compute, du VMware, de l'Hyper-V, du Xen Server, du KVM, du Proxmox, ce que vous voulez, de l'Oracle VM. Donc voilà, un nouveau minimum de nœuds, mais on peut aller jusqu'à 64 nœuds hyperconvergés. Et ce n'est pas parce qu'on est hyperconvergé qu'on est pieds et poings liés dans l'hyperconvergence. C'est vraiment le gros avantage data core, c'est qu'on est un logiciel. Et donc, on va pouvoir même hyperconverger, piloter des BSAN externes, a posteriori, pourquoi pas rajouter des nœuds compute, sans forcément mettre des distances DataCore sur ces serveurs-là, puisque c'est que du compute, et peuvent se connecter en ASQZ ou en Fibre Channel à mes nœuds DataCore. Voilà, la grosse force, c'est qu'on peut passer même d'une architecture à l'autre, en toute transparence, c'est le même logiciel. Vous pouvez partir sur une solution traditionnelle, puis faire de la convergence, partir sur l'hyperconvergence, revenir sur une solution hybride. Il n'y a pas de coût supplémentaire, quel que soit le déploiement que vous choisissez. Et pareil pour le nombre de nœuds DataCore, que vous ayez un serveur, 2 serveurs, 64 serveurs. Il n'y a pas de coût supplémentaire en termes de logiciel, je parle. Évidemment, en termes de matériel, oui, si vous mettez 64 serveurs physiques, il faut les acheter. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la partie chat pour poser les questions comme elles vous viennent. Et puis, si je peux y répondre dans la présentation, j'y répondrai. Sinon, je répondrai à la fin. Alors, pour entrer plus en détail sur des fonctionnalités, donc je ne vais pas vous balayer toutes les fonctionnalités. On va parler notamment de la protection de la donnée et puis de la performance, puisque c'était aussi l'objet du jour. Donc, la haute disponibilité, DataCore propose du miroir synchrone depuis 20 ans maintenant. Donc, le miroir synchrone, comment il fonctionne? Bon, évidemment, faut mettre 2 fois la volumétrie qu'on va rattacher à des serveurs DataCore. Et ces serveurs vont présenter des volumes à vos applications. Et les applications peuvent accéder à ces volumes en actif-actif. Donc, on va répartir la charge. C'est-à-dire qu'on peut faire sur le volume qui est en miroir. C'est comme si on faisait un RAID logiciel finalement entre 2 espaces de stockage. Ce volume peut être accédé en lecture-écriture au travers des 2 contrôleurs DataCore simultanément. Donc c'est très performant. Aux yeux en fait de mes hosts, que ce soit du VMware, de l'Hyper-V, peu importe, c'est comme si on travaillait, si les hosts y voyaient une baie de stockage virtuelle avec double contrôleur. L'avantage, par contre, c'est que chaque contrôleur a son propre espace de stockage. Donc, j'ai beaucoup plus de performance puisque j'ai 2 fois plus d'accès. Et comme c'est vu comme une seule baie de stockage virtuelle éclatée sur 2 salles, si je perds une salle, c'est comme si je perdais un contrôleur d'une baie de stockage. C'est le même principe que d'avoir une baie de stockage avec double contrôleur, avec un host qui voit les 2 contrôleurs.
Si je perds un contrôleur, mon host bascule sur le deuxième contrôleur et il ne perd pas l'accès au LAN. Là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a vraiment séparé. On a un contrôleur dans chaque salle, ce qui nous permet d'avoir peut-être deux alimentations électriques, deux climatisations séparées, deux vrais systèmes de stockage séparés. Donc, je peux faire une maintenance en pleine journée, je peux avoir une interruption, une panne d'un des systèmes de stockage, et il n'y a pas d'interruption pour le coup, puisque ça bascule automatiquement. Dans mes deux salles, je peux avoir des machines virtuelles qui continuent à fonctionner en s'appuyant sur le stockage qui est dans la deuxième salle. Donc, failover et failback, automatique et transparent. C'est vraiment un RTO égal au RPO qui est égal à zéro au niveau du stockage. Si je perds le site complet, évidemment, mes machines virtuelles vont redémarrer de l'autre côté parce qu'on a garanti que le stockage était toujours disponible de l'autre côté. Voilà, j'espère que ça c'est clair pour tout le monde. Peut-être qu'il y a déjà des clients dans la liste qui connaissent déjà ce principe-là. Voilà. Et donc, ce mécanisme de miroir synchrone peut s'implémenter dans la même salle, dans deux salles séparées, deux bâtiments, deux villes, dans le cloud, on prémarise dans le cloud, on peut faire un mix. Ce qui est important, de toute façon, ça c'est vrai pour toute technologie synchrone, quelle que soit la solution que vous pourriez envisager de mettre en place. À partir du moment où on fait du synchrone, il y a un prérequis qui est qu'entre les deux salles, l'aller-retour ne doit pas dépasser 5 millisecondes. Ça, c'est très important pour les latences en termes de performance pour les applications. Alors, du miroir synchrone, après, d'ailleurs, on peut faire de la réplication aussi asynchrone. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'application asynchrone, donc on peut répliquer et donc mettre en place du coup un PCA plus un PRA avec donc une troisième copie qui sera beaucoup plus éloignée. On peut inverser le sens de la réplication le jour où vous avez basculé, parce que le problème du PRA, c'est qu'on n'ose pas le déclencher parce qu'on ne sait pas comment on va revenir. DataCore vous fournit tous les outils pour vous assurer un retour aussi, très facile. On a le CDP aussi, Continuous Data Protection, qui va un peu plus loin que les snapshots. Donc, comme tout système de stockage, on a du snapshot. Vous pouvez faire des snapshots de vos LAN, mais donc le snapshot c'est l'appareil photo, mais on a aussi le CDP. Le CDP ça va un peu plus loin que le snapshot. Au lieu de déclencher des points de consistance toutes les heures, toutes les 4 heures comme vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer. Donc là c'est plus un appareil photo, c'est une caméra. Vous filmez, vous enregistrez tout ce qui se passe, tous les événements, toutes les modifications qui se passent sur les volumes. Dès qu'un bloc est modifié, il est enregistré ou redaté. Et donc, ce qui vous permet en fait de pouvoir remonter le temps a posteriori. Vous avez un problème, un CryptoLocker. Voilà, là, il est 11h26. On peut revenir quelques secondes avant le problème. Vous pouvez demander à DataCore de recréer un nouveau volume représentant l'état de la production à l'heure que vous avez choisi à la seconde près. Je vais revenir à 10h53 et 40, 42 secondes. Je clique sur un bouton et instantanément, j'ai le nouveau volume. Ça me permet d'aller restaurer ou de récupérer ce dont j'ai besoin. Alors, les performances. Premièrement, le fait de rajouter la couche DataCore entre les hosts et le stockage, c'est vrai qu'on aurait tendance à dire, si je rajoute un niveau supplémentaire, une couche supplémentaire, ben, je vais impacter les performances. Alors, si c'était le cas, évidemment, mais j'en parlerai pas. C'est le contraire qui va se passer. Premièrement, grâce à la RAM, le serveur sur lequel on va installer la couche DataCore, c'est un serveur de dernière génération. On va mettre du DL380 Gen10, du SR650, du R740, la 14G donc chez Dell. Donc ces serveurs-là bénéficient aussi des derniers processeurs. Processeurs qui sont en fait plus performants que les processeurs qu'on va trouver sur une baie de stockage. Qu'est-ce qui se passe en fait? Tous les 2 ans, Intel sort une nouvelle gamme de processeurs. C'est à peu près le rythme. Dès qu'il y a une nouvelle gamme de processeurs, les constructeurs sortent une nouvelle gamme de serveurs. Et qu'est-ce qu'ils font des anciens processeurs et du matériel et des anciens serveurs? En fait, ils les recyclent en baie de stockage. Donc, bien souvent, quand il y a une nouvelle gamme de processeurs qui sort, on a des nouveaux serveurs avec les derniers processeurs, et puis on a une nouvelle gamme de baie de stockage qui sort. Mais cette nouvelle gamme de baie de stockage, c'est toujours du N-1. En fait, on bénéficie des générations précédentes des processeurs. Donc aujourd'hui, quand vous achetez une baie de stockage, vous la déballez, vous la sortez du carton, vous allez avoir en fait des serveurs avec des baies de stockage, mais c'est aussi des serveurs finalement, avec du processeur qui n'est pas de dernière génération, qui est obsolète. Donc le fait de rajouter la couche DataCore, déjà on va avoir des processeurs qui vont traiter les I/O plus rapidement qu'une baie de stockage toute seule. Donc on va apporter en fait une aide supplémentaire à une baie de stockage traditionnelle. Donc processeur plus puissant,
La RAM, on peut mettre la quantité de RAM qu'on veut dans un serveur. C'est pas aussi contraignant que sur une baie de stockage, que le cache qu'on va mettre sur un contrôleur d'une baie de stockage. Donc, si vous voulez mettre 128, 256, 512 gigas de RAM sur un serveur Data Core, il n'y a pas de souci. Hein. On peut gérer plusieurs téra de RAM. Hein. Le soft n'a pas de limite. Et donc, cette RAM va faire office de cache en lecture-écriture. Toutes les I/O qui arrivent de vos applications vont taper dans la RAM. En écriture, donc on va regrouper les I/O dans la RAM, c'est ce qu'on appelle le collation, et les descendre de façon ordonnée sur les disques. Ce qui fait que les applications peuvent envoyer par exemple 10 000 I/O dans la RAM, et en fait ces 10 000 petites I/O vont se transformer en peut-être 1 000, 2 000 ou 3 000 I/O, mais pas plus, mais qui seront un peu plus grosses. Donc on va optimiser l'utilisation des bras de disque sur le système de stockage. Donc on va faire tampon avec la RAM, regrouper les I/O et descendre des I/O un petit peu plus haut sur la baie de stockage. Donc souvent les clients DataCore, quand ils regardent les performances en I/O qu'ils dégagent sur les applications ou que DataCore leur donne, sont supérieurs à ce qu'ils regardent quand ils voient le monitoring des I/O qu'on voit sur les disques. Parce qu'en fait, en termes d'I/O, il y en a moins, mais elles sont plus grosses. Voilà. Le cache va également servir pour la lecture. C'est pareil, quand j'ai une application qui fait une demande de lecture, si j'ai pas mon I/O en RAM, je vais la chercher sur la baie de stockage. Et si l'I/O est redemandé plus tard, ben en fait, je l'ai déjà dans la RAM, donc je vais plus la rechercher sur la baie de stockage. Donc à nouveau, la baie de stockage est moins sollicitée, le système de stockage quel qu'il soit est moins sollicité avec DataCore parce qu'on a ce méga cache qui va de façon intelligente notamment mettre les blocs souvent lus, les laisser en RAM. Et donc chaque fois qu'il y a de la lecture, on va taper en RAM. On va plus taper sur les disques. Et les temps de latence dans la RAM sont inférieurs à 20 microsecondes. Donc c'est très performant. La performance passe aussi par le tiering. On aurait tendance à se dire, moi, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre une baie de stockage full flash. Comme ça, au moins, je suis sûr des performances. Alors, oui, mais il faut faire attention parce que d'une part, ça coûte cher, une baie de stockage full flash. Et puis souvent, on se rend compte que dans votre infrastructure, en tout cas chez les clients, on est plutôt entre 20 et 30% de la donnée qui bouge vraiment. Le reste, c'est moins, beaucoup moins sollicité. Et ce n'est pas forcément une bonne idée d'aller stocker des données qui sont peu accédées sur du disque SSD. Parce que le disque SSD n'a pas la même durabilité et rétention que peut avoir un disque mécanique. Si vous mettez de la donnée sur le disque SSD et que donc quand on écrit sur le disque SSD, on allume ou on éteint des cellules, hein, c'est électronique, pardon. Si les cellules ne sont plus sollicitées au bout de quelques mois ou quelques années, la donnée peut être corrompue. Il y a une analyse comme ça qui est sortie en 2017 chez Google, qui expliquait en fait que ils étaient partis sur du full flash dans leur data center pour des raisons de performance, mais en fait ils avaient des données qui étaient froides, peu accédées, et se sont vite rendu compte qu'ils avaient de la corruption et que les données étaient perdues. Donc attention aux SSD et aux solutions full flash, parce que si vous avez des données qui dorment, qui sont peu sollicitées, c'est vraiment pas une bonne idée de les stocker sur le disque SSD. Donc ça coûte cher et c'est dangereux. Donc, par contre, mettre en place du tiering, c'est plus intéressant parce que d'une part, ça va coûter moins cher parce qu'on va rajouter un pourcentage qui va être 10, 20 ou 30% de votre production en disque rapide, type SSD ou NVMe, hein, directement dans le serveur DataCore. Et puis, on mettra un disque de tier 2, tier 3 ou tier 4, voire plus, du disque mécanique, un peu moins performant, mais surtout plus capacitif, et aussi surtout moins cher. L'auto-tiering est vraiment là pour avoir le meilleur ratio prix-capacité-performance et durabilité aussi. Donc, DataCore va automatiquement surveiller le comportement des applications, des I/O, et au sein d'une LAN, d'un virtual disk, d'un data store, d'un CSV, on peut donner le nom qu'on veut selon l'application qui va travailler dessus. Au niveau de ce virtual disk-là, de ces LAN virtuelles, DataCore va surveiller le comportement. Les blocs, il va détecter les blocs qui sont souvent lus ou écrits pour les déplacer, les mettre sur le disque rapide. Et à l'inverse, les blocs qui sont moyennement sollicités ou moins sollicités, on les mettra sur le disque plus capacitif, moins performant. Voilà.
Donc le tirer est fait de façon automatique. Vous vous occupez de rien. On déclare la virolimétrie dans l'environnement d'Atacore. Vous découpez vos LUN comme vous voulez. Et derrière, on s'occupe de déplacer la donnée à l'endroit le plus approprié selon sa fréquence d'accès. Voilà. Ça se fait de façon automatique. Après, vous avez une cartographie, vous pouvez voir où sont déplacés des blocs, etc. Et vous pouvez affiner aussi. Vous pouvez aussi mettre en place des tâches planifiées qui peuvent dire tel volume ou telle application. En fin de mois, je vais avoir un pic d'activité. Donc, je voudrais que ce volume-là soit prioritaire. Donc, vous le passez en critical automatiquement avec une tâche planifiée. Et puis derrière, quand le gros traitement est terminé, vous pouvez repasser le profil du volume en normal ou en archive pour que les blocs redescendent sur le stockage plus capacitif. Donc, on peut affiner aussi le tiering en mettant en schedulant des déplacements à des périodes données. Donc, en termes de performance, le burst.io, le read et le write passent par la RAM et ensuite la RAM elle déstage sur les différentes classes de stockage en fonction des besoins des applications. Alors, on a été benchmarké parce que c'est toujours beau sur le papier de parler de performance. Alors, je voulais vous montrer deux résultats de performance. Le premier, c'est Storage Performance Council. C'est une société qui fait du benchmark, qui est reconnue pour faire des tests de performance et surtout de faire de la comparaison. Ils vont comparer les différentes classes de stockage, les différents systèmes de stockage. Et donc, et c'est pas du 100% read en séquentiel. Ça va un peu plus loin que ça. Ça fait du read, du write, des tailles de blocs différentes, du random, du séquentiel, etc. Et donc, sur ces environnements-là, SPC, sur le SPC1 notamment, on a fait 1,2 million d'IO à 0,22 millisecondes de latence. Donc, on a eu un record de performance à 100% de charge avec la latence la plus faible du marché. Et une des raisons pour lesquels on a fait ça, c'est grâce au processeur qui était sur les serveurs et le fait qu'on traite les IO de façon parallèle. Quand on regarde ce schéma-là, on voit que les solutions traditionnelles, notamment les solutions hyperconvergées, type Nutanix, InfiniVity, vSAN, VxRail, etc., ces solutions-là d'hyperconvergence vont vous proposer pour répartir la charge de multiplier les nœuds. Donc, on multiplie les nœuds pour répartir la charge. Alors après, si on a deux sites, c'est encore plus, il faut mettre des nœuds de partout pour avoir la redondance, etc., et du stretch cluster. Et par contre, ce dont on se rend compte, quand on zoome un peu sur la consommation, on se rend compte qu'il y a des processeurs qui sont sous-utilisés au niveau de chacun des serveurs. La partie, en fait, parce que dans les serveurs hyperconvergés, il y a deux parties. Il y a la partie compute, hein, machine virtuelle. Donc, partage des ressources au niveau des machines virtuelles, que ce soit VMware, Hyper-V ou d'autres, savent très bien partager les processeurs et la RAM de plusieurs machines virtuelles. Donc, on fait tourner plusieurs machines virtuelles en parallèle. Par contre, ces machines virtuelles travaillent sur du stockage qui, lui, est partagé. Et ce stockage-là, le problème, c'est que souvent, il n'y a qu'un cœur, qu'un processeur, qu'un cœur qui va traiter les I/O. Et les IO sont traitées de façon sérialisée les unes après les autres. Donc j'ai un workload qui est généré en parallèle par plusieurs machines virtuelles. Et quand il est question de traiter ces IO sur les disques, en fait, j'ai une tâche, un scheduler qui va traiter les IO des machines virtuelles les unes après les autres. Donc bien souvent, il suffit de rajouter une machine virtuelle supplémentaire sur un serveur pour qu'on explose les latences et que ça s'écroule en fait. C'est pour ça qu'on multiplie les nœuds pour essayer de multiplier le traitement des IO. Alors, ça, c'est ce que font les solutions traditionnelles. Et puis, vous avez sur la droite ce que fait Datacore. En fait, on fait du parallèle I/O. On est en mesure de traiter, d'allumer les plusieurs cœurs en parallèle. Et donc, ça va de concert avec les machines virtuelles qui sont en parallèle. Et au lieu d'avoir une file d'attente des I/O queue et de traiter les I/O des machines virtuelles les unes après les autres, on les traite en parallèle. Et donc, on va, si je remets l'animation, pardon, on va 4 fois plus vite, finalement, qu'une solution traditionnelle pour traiter les I/O. Donc ça, c'est très important en fait pour les performances. Parce qu'on a beau mettre du full flash ou n'importe quel système de stockage hyper performant, si on n'a pas la gestion des processeurs qui va avec et traiter les IO en parallèle, bah, en fait, la technologie NVMe notamment prend vraiment tout son sens si on traite les IO de façon parallèle et pas sérialisée, sans file d'attente, sans IO queue. Et sans cycle d'interruption. Et donc là, je voulais vous présenter un cas client un peu plus concret. En fait, c'est un client qui a deux serveurs Datacore. Sur chaque serveur Datacore, il a une carte NVMe 6 Tera 4.
Puis là, un RAID 5 SAS 10 000 tours. Tout ça, c'est rattaché sur une fabrique FC 16 Go avec des serveurs VMware. Et là-dessus, en fait, on voit, alors vous avez sur la partie verticale les I/O. Vous avez la différence entre des accès en séquentiel ou en random, orange foncé, orange clair ou jaune, ça dépend des écrans que vous avez. Le test, c'est du 70 read, 30% write, donc en séquentiel ou en random, sur des blocs de 8K, je crois. Donc vous voyez en fait, ah ben non, il y a différentes tailles de blocs, des 1K, 4K, 8K, 32K et des blocs de 1 méga. Donc évidemment, plus les blocs sont gros à un moment donné, plus la latence augmente. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que qu'on soit en séquentiel ou en random, on est aux alentours des 0,2 millisecondes. Donc on est inférieur à 1 milliseconde de latence pour un peu plus de 100 000 I/O là, chez ce client-là. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, c'est un vrai cas client. Voilà, c'est la vraie vie. Alors, la partie management, rapidement, dans la console DataCore, vous avez un client lourd pour administrer vos serveurs DataCore. On intègre la partie VMware. On a aussi un plugin pour System Center Virtual Machine Manager de Microsoft. On a aussi une console web. On a les intégrations avec Vim. Ça, c'est un peu les nouveautés, hein, pour les clients existants. Sachez qu'aujourd'hui, on était Vim Repository, donc on était un stockage backend certifié pour déposer les backups. Mais on est aussi, on s'intègre à du Vim. Enfin, Vim s'intègre à nous avec les plugins pour s'appuyer sur la technologie de snapshot DataCore au lieu de s'appuyer sur les snapshots des machines virtuelles qui sont plus impactants en termes de performance. Pendant la durée du backup et notamment à la fin du backup quand il faut reconsidérer les snapshots des machines virtuelles. Donc aujourd'hui, Vim peut déclencher des snapshots DataCore au lieu de déclencher des snapshots de VMware par exemple et se monter le snapshot DataCore et on réduit par 3 les temps de backup. C'est beaucoup plus rapide et à la fin du backup, supprimer un snapshot DataCore, c'est instantané, il n'y a aucun impact sur vos machines virtuelles. Le gros avantage aussi, c'est que si vous avez un système de stockage sous DataCore qui n'est pas certifié Vim, qui n'a pas le plugin d'intégration, bah, le fait de mettre la couche DataCore au-dessus, bah, Vim en fait va dialoguer avec DataCore et pas avec la baie de stockage en dessous. Donc même si elle n'est pas certifiée Vim, elle sera compatible avec tous les plugins, etc. d'intégration. Ça, c'est intéressant. On a également de la télémétrie. Donc on a une offre SaaS qui vous permet en fait, sur DataCore, on peut collecter les informations, les pousser dans le cloud chez nous. Elles sont analysées, traitées et représentées sous forme graphique pour vous. Vous avez un portail, vous vous connectez sur dis.io, vous créez votre compte et vous avez votre environnement. Vous allez retrouver du capacity planning, de la performance en I/O, en latence. Vous avez un score d'état de santé, des inputs en termes d'optimisation basés sur du machine learning, de l'intelligence artificielle. On va vous suggérer des environnements, des options d'optimisation de votre environnement. Et vous avez même la possibilité en tant que client d'inviter en fait, pourquoi pas Monaco Digital, qui eux ont un portail partenaire et ils peuvent voir tous leurs clients, notamment, et puis pouvoir aussi avoir des informations d'état de santé, de vos niveaux de licence, de votre capacité. Donc vous avez droit d'autoriser ou pas l'accès à votre revendeur préféré qui est Monaco Digital. voilà, donc DataCore, une console centralisée. Donc, vous pouvez aussi avoir plusieurs sites avec un site principal, un data center. Vous allez avoir une infra DataCore traditionnelle, pourquoi pas des appliances pour une partie VDI, du secondary storage pour du backup, Vim Repository ou de l'archivage, des sites Remote Office, Branch Office, de l'hyperconvergence, du traditionnel, du SAN, du Converge. Tout ceci peut être administré avec une seule console d'administration. Et je pourrais très bien avoir de l'HP ici, du Lenovo là, du Dell ici. On peut mixer comme on veut. Et aussi, la grosse force du logiciel, c'est qu'on l'installe sur un matériel aujourd'hui, mais dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous décidez de changer de matériel, de mettre un serveur plus puissant. Bah, vous prenez licence DataCore, vous les mettez sur un serveur plus puissant, vous ne repayez pas. Et les licences, en fait, vous avez Enterprise, Standard et Large Scale. Donc, ça, c'est pour de l'archivage, il n'y a pas de performance. C'est pour des grosses capacités. Les licences standards,
Donc, vous pouvez faire n'importe quel déploiement que je vous ai présenté, sauf que c'est limité à de la SCSI et l'Enterprise qui s'est géré en fait du Fiber Channel de la SCSI. Après les licences, il y a un coût au terabyte. On démarre à 1 téra, et puis il y a des paliers de 1 à 10 téra, de 10 à 24 téra, etc. Le coût au téra est dégressif. Je voulais vous prendre 10 minutes pour vous parler également de vFilo. Donc, on n'est plus sur la performance, mais sur un produit en fait qui fait de la virtualisation, non pas de blocs, parce que ça, c'est Sound Symphony, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais vFilo, c'est la même philosophie que Sound Symphony pour la performance, la virtualisation, sauf qu'on ne virtualise pas du bloc, enfin, on peut virtualiser du bloc, mais surtout, c'est le fait de pouvoir virtualiser du NAS, des serveurs de fichiers, de l'object storage on-premise ou dans le cloud, et d'apporter du service et des fonctionnalités au file. Un des cas d'usage de vFilo, par exemple, c'est la migration. Vous avez un environnement de NAS, de fichiers, système de fichiers, de données utilisateurs. On sait que quand il faut changer les NAS, c'est pas toujours évident. Les interruptions peuvent être plus ou moins longues. Souvent, on passe par des outils qui s'appellent robocopie pour copier les données. Pendant la copie, il faut couper l'accès, hein. Sinon, il faut recommencer. vFilo est un logiciel qui s'installe, c'est une software appliance basée sur un Linux, un CentOS, qui s'installe soit en machine virtuelle, soit en serveur physique. Que vous posez dans votre infra, vFilo va pouvoir assimiler à chaud, pendant que les utilisateurs travaillent, les metadata, donc toute la structure, l'entête de tous vos fichiers. Une fois qu'on a assimilé les metadata, c'est très rapide, hein, en quelques minutes, on peut assimiler des téra, hein, puisqu'on va lire quelques kilooctets par fichier, et non pas la totalité du fichier. Vous allez pouvoir, si vous vous redirigez au niveau DNS, les points de montage, et vous pouvoir faire immédiatement du read-write en passant par vFilo sur vos systèmes NAS. Quel est l'avantage de faire ça? Ben, c'est que derrière, une fois qu'on a assimilé toute la donnée, on va pouvoir mettre en place des politiques. Et une des politiques, ça pourrait être de dire, bah, tiens, voilà, sur mon NAS, je sais pas, j'ai 100 Tera. Sur les 100 Tera, je me rends compte que j'ai qu'une dizaine de Tera qui est réellement utilisée. Le reste peut accéder. Voilà, j'ai tant de fichiers qui n'ont pas été accédés depuis 6 mois, 8 mois, 1 an ou plus. C'est inactif. Pourquoi je laisserais sur mon NAS NetApp ou EasyLog qui coûte cher? Je pourrais peut-être déplacer ces données sur du stockage plus capacitif, moins performant. Donc vFilo a la possibilité de faire ça, de migrer les données sur différents systèmes de stockage sans changer la structure de fichier, la structure de partage. Les utilisateurs ne vont rien voir. Ils voient toujours leur point de montage, l'organisation qu'ils ont faite de leur partage, leur dossier, sauf qu'en back-end, en fait, on va déplacer les données sur des endroits plus appropriés. Ça peut être peut-être sur du stockage S3, où on va dédupliquer, compresser, parce que les données sont peu accédées. Et puis les données qui sont plus sollicitées, on peut les laisser sur votre NetApp ou les mettre sur du DAS NVMe ailleurs. On pourra déplacer les données automatiquement sur différentes classes de stockage, mais sans jamais changer la structure de fichier, le namespace, l'environnement de partage et les points de montage. Donc ça, c'est très intéressant. Donc vFilo peut faire du backup aussi dans le cloud. On peut définir des objectifs et des stratégies pour aller déplacer les fichiers sur les différentes cases de stockage, définir de la disponibilité. Vous pouvez dire à vFilo, voilà, sur telle chaire ou telle donnée utilisateur, je vais avoir une tolérance de 5,9. Et vFilo va automatiquement s'occuper d'assurer la redondance de ce fichier ou de ce share sur les différents systèmes de stockage, les différents NAS que vous avez dans votre infrastructure, ou serveur de fichiers, ou connecteur S3, Azure ou Amazon, pour aller dupliquer la donnée à différents endroits pour vous assurer une durabilité, une haute disponibilité de 5,9 par exemple. On n'a plus besoin de backup aussi avec vFilo. Il va faire du backup automatiquement dans le cloud ou sur un Synology ou ce que vous voulez. On est granulaire au niveau fichier. On a les snapshots. On a une notion de undelete qui permet en fait d'apporter la corbeille. En gros, vous supprimez un fichier dans le monde fichier, dans le monde NAS. Votre fichier, il est perdu. Vous pouvez restaurer le backup. Là, le undelete, ça permet en fait à l'utilisateur de pouvoir automatiquement restaurer son fichier. On conserve une copie de chaque fichier. Vous pouvez assurer du undelete sur un share ou sur un fichier bien spécifique avec une rétention de un jour, une semaine,
un mois. Donc, si le fichier est supprimé 10 fois dans le mois parce qu'il y a eu différentes versions et restaurations, vous aurez tout l'historique. L'archivage automatique, l'automatique déplacement, data mobilité, dedupe compression, réplication par ANFS aussi, donc c'est les dernières technologies, global namespace, load balancing, assimilation de tout système de stockage, hein, que ce soit de l'EasyLone, de l'Unity, de la VNX, du Google Cloud Firestore, du NetApp 7mode, CMode, ou tout système NFS, du SoftNAS, du FreeNAS, ce que vous voulez, on est en mesure de tout assimiler, du SMB également. Donc, vous avez là l'interface web de DataCore, vFilo. On déclare les storage systems, vos storage systems existants, qui sont vos filers, si vous voulez. Et derrière, on peut aussi rajouter du stockage dans le cloud. Et on a tous ces storage systems-là. Et puis derrière, on va créer des shares ou retrouver les shares que vous aviez déjà. Donc, c'est très, très intéressant comme produit. Voilà. Et puis, vous pouvez définir des objectifs. Vous pouvez dire, par exemple, voilà, tous les fichiers PDF qui n'ont pas été accédés depuis 6 mois, je veux qu'ils aillent sur un stockage plus capacitif ou je veux les archiver automatiquement dans le cloud, qu'ils soient dédupliqués, compressés. Vous pouvez faire ça. Voilà. Donc, que ce soit DataCore, la société, hein, on n'est pas nouveau sur le marché. On a 22 ans d'existence. On a beaucoup de déploiements, beaucoup de clients. On est sur le segment du Software Defined Storage et de l'hyperconvergence. Virtualisation parallèle I/O, on a beaucoup de brevets également, le SIM provisioning notamment, c'est vrai que c'est quelque chose que maintenant est rentré dans les mœurs, que tout le monde connaît. Sachez que le SIM provisioning, c'est une technologie qui a été inventée par DataCore en 2001. On a un support 24C 365, vous avez aussi le support Monaco Digital. Voilà, donc comme David vous disait en introduction, Monaco Digital a 8 ingénieurs qui font du delivery, qui peuvent aussi faire de l'avant-vente, du design et du conseil. Mais en plus de ça, il y a encore 5 des CSA qui font aussi de l'avant-vente et du design. Donc voilà, il y a une équipe assez importante et Monaco Digital est Gold chez nous, la plus haute certification. Quelques références clients, on est dans tous les secteurs. Voilà, donc il y a beaucoup de clients dans l'industrie, dans l'hôtellerie, l'hosting aussi pas mal d'hébergeurs, c'est des hébergeurs données santé qui utilisent DataCore. Voilà, dans le luxe, le gaming, on est un petit peu dans tous les secteurs d'activité, dans les collectivités également, etc. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je ne vous ai pas perdu, que vous m'avez bien entendu. J'ouvre les questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas. Pas de questions. J'espère que j'ai été clair et complet, ou alors je vous ai perdu. Du coup, vous n'avez pas de questions. Merci, clair et efficace. Merci, c'est gentil. Je ne sais pas si David, tu voulais rajouter quelque chose. Non, mais écoute, non, parfait, c'est bon. Ok, écoutez, de toute façon, le webinaire a été enregistré, si je ne me suis pas trompé. Vous recevrez également le PowerPoint. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bon courage à cette période difficile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers Monaco Digital. Et puis voilà. Bonne journée, bon courage et puis bonne semaine à vous. Merci. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Ah, j'ai une question, j'avais pas vu. Est-ce que la dédupe est disponible? Bon, je reprendrai cette question plus tard. Là, tout le monde est parti.
Ouais, c'est moi. Mais non, mais c'est chiant, j'étais en mute, je voulais parler, je ne pouvais pas avancer par là. Non, pas de souci, pas de souci. Il y avait effectivement une question. Il y a Arwen Jezekel, mais ça, c'est un collègue de Monaco Digital. Et la question, attentif 100%, c'est bien. Participation de présence sur ce. Non, c'est pas possible. Je sais pas ce que c'est. Ah, mais là, maintenant, enregistrement. Bah, je ne sais pas pourquoi j'ai encore accès au truc là.